gloire à Jésus-Christ. Amen. À Dieu soit la gloire. Que son nom soit béni. Vous pouvez saluer votre frère Shalom. Soyez bénis. Alléluia. Dieu nous bénisse. Alléluia pour chaque effort. Amen. Que, alléluia, nous faisons pour être en sa maison. Amen. Chaque jour, chaque soir, soyez bénis. Gloire à Jésus-Christ. Parce que c'est parce que vous êtes là qu'on peut prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est parce qu'on dit Amen. Quand on dit Amen, quelque part, ça veut dire on vit encore. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes d'accord. Il faut parler. Amen. Que Dieu vous bénisse et récompense votre fidélité. Amen. Votre assiduité. Amen. Qui vous donne toujours la force d'avancer, de faire des pas en avant. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que c'est une victoire, c'est une grâce que de venir à la maison du Seigneur. Amen. Nous allons prendre l'écriture. Ésaïe 28, verset 3, et aussi Nombre, chapitre 10, verset 1 à 10. Alléluia, nous allons nous exhorter autour de concernés par la trompette du septième jour. Concernés par la trompette du septième jour. Gloire à Jésus-Christ. Concernés par la trompette du septième jour. Ésaïe 18, verset 3. Ésaïe 18, verset 3. Et Nombre chapitre 10, Nombre 10, 1 à 10. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de jonques, voguant à la surface des eaux, allez, messager rapide, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur la montagne. Un Christ crucifié sur le mont Golgotha. Amen, c'est la bannière. Voyez la bannière, amen, qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Ajoute tes bénédictions, Seigneur, à ta parole. Oh, nous sommes venus au pain de vie. Oh, tu as enfin d'avoir la vie. Ils mangeaient la manne et ils étaient gardés. Oh, alors que nous venons soir après soir manger de cette manne, que la vie de cette manne entre en nous et nous donne la vie, Seigneur. Et donne que cette vie soit éternelle. Et que, oh Dieu, elle nous garde face à toute adversité. Car tu nous donnes ta parole comme l'épée de la délivrance. Bénis cette assemblée, fortifie chacun de nous, renouvelle nos forces et donne-nous de demeurer fidèles à ta parole chaque jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nombre chapitre 10. Nombre 10, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent. Et tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour convoquer, pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Amen. Donc pour les convoquer, il faut une trompette. Amen. Pour le départ, il faut une trompette. Et nous verrons aussi par la suite. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi. N'est-ce pas? Amen. Amen. Quand un prophète se lève, amen, un prédicateur se lève, des gens se rassemblent devant lui et auprès de lui. Hein, Dieu même dit dans Ézéchiel 33, verset 30 là-bas,
Amen. Il dit, mon peuple s'assied devant toi. Amen. Le peuple est appelé à s'unir autour de la trompette. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez que la trompette, ce n'est pas par la volonté de Moïse que ces trompettes sont faites, mais c'est par la volonté de Dieu. Amen. Que ces trompettes sont faites. Donc ces trompettes sont le don de Dieu pour le rassemblement de son peuple. Et le peuple, ça se rassemble autour de cette trompette. Gloire au Seigneur. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Et si l'on ne sonne que du trompette, hein, ça sonne autour du tabernacle. Autour du tabernacle. Parce qu'il ne faut pas aller ailleurs. Amen. Il faut venir à l'église. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, la deuxième fois, ceux qui campent au midi, c'est-à-dire au sud, partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Gloire au Seigneur. On verra ça tout à l'heure si je n'oublie pas. Mais regardez comment c'est sonné. Amen. Il faut être vraiment concerné par la chose pour comprendre. Amen. Ce que ça veut dire. Qui est appelé, qui est concerné. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut être une personne spéciale, particulière, pour pouvoir discerner. Amen. Si cela me concerne ou si cela ne me concerne pas. Gloire au Seigneur. Parce que ça ne sonne pas pour appeler tout le monde. Mais ça sonne, amen, comme ceci, pour appeler un peuple. Amen, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et s'il faut savoir à quel moment tu es appelé. Et ça, c'est un appel particulier et individuel. Gloire au Seigneur. Nous pouvons être ensemble, de deux qui seront au lit et tout ça, rassemblés. Mais quand on sonnera, chacun doit avoir la révélation de savoir s'il est concerné ou pas. C'est le moment pour lui de partir ou pas. C'est le moment pour lui de donner sa vie à Jésus-Christ ou bien ce n'est pas le moment. Ce n'est pas parce que mon frère, ma mère ou qui que ce soit veut, mais c'est un appel personnel, individuel, qu'on reçoit par la révélation. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée. Vous ne sonnerez pas avec éclat. Amen. Parce que vous comprenez que quand il fait boum, il ne se met pas bon. Vous savez, ça là, ça concerne cela. Non. Amen. Ils sont nés comme ça. Ils ont été conçus comme cela. Et quand on sonne comme cela, celui qui est là-bas doit savoir que c'est de lui qu'il s'agit. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les fils d'Aaron, ce n'est pas n'importe qui doit sonner. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront, amen, des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. C'est une loi perpétuelle pour toujours. Amen. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous serez présent au souvenir de l'Éternel. Gloire à Jésus-Christ. Vous souvenez une fois même, je crois, le roi Akab et Josaphat étaient à la guerre. La Bible dit, quand l'ennemi venait sur Josaphat, il cria. Il cria et les gens surent que ce n'était pas le roi. C'est Dieu qui a fait prendre conscience à ces personnes que cet homme-là n'est pas à combattre. Lorsque Josaphat a crié, Dieu s'est souvenu de lui. Amen. Lorsque vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu.
Amen. C'est pourquoi vous priez. Vous devez même vous être poussé à crier. Amen. À crier, etc. On dit, mais il prie fort. Mais oh, tout le monde attend. Est-ce que Dieu, etc. et tout ça. Mais là, vous devez sonner avec éclat. Gloire au Seigneur. Amen. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Amen. Nous sommes d'accord. Dans vos jours de joie, donc pendant les moments de guerre, il faut crier. Il faut sonner de la trompette. Dans vos moments de joie, dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, Israël, amen, est un peuple spécial. Un peuple particulier, amen, la postérité, alléluia, d'Abraham, amen, et Dieu avait son regard fixé sur ce peuple, et durant tout ce voyage, Dieu voyageait avec eux, et même lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient toujours dans le souvenir de Dieu, amen, la Bible dit, lorsque l'ennemi les oppressait en Égypte, lorsque Pharaon les oppressait, ils étaient dans la servitude, dans l'esclavage. Amen. Ils poussaient des soupirs. Ils criaient, ils gémissaient. Ils poussaient des cris. Mais c'était des prières. Et Dieu entendait cela. Et ils étaient présents dans le souvenir de Dieu. Et Dieu s'est souvenu d'eux. Et il est descendu lui-même. Gloire au Seigneur. Et il est descendu avec Moïse. Amen. Dieu était en Moïse. Gloire au Seigneur. Descendant en Égypte pour délivrer son peuple de la main de Pharaon. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Moïse était la trompette de Dieu. Amen. Appelant le peuple à la liberté. Rassemblant le peuple. Les appelant, amen, à la liberté. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, lorsque ce peuple était même en Égypte, le peuple n'était pas dispersé. C'est pour qu'ils soient toujours ensemble. Amen. Cela montre l'unité de l'Église. Amen. Amen. Montrant que nous devions avoir un lieu, chaque enfant de Dieu, amen, nous devions avoir un lieu de rassemblement. Amen. Parce que la colère, l'ange de la mort pouvait frapper en Égypte et partout. Mais il y avait un lieu où on ne pouvait pas frapper. Amen. C'était un lieu spécial où on ne faisait pas n'importe quoi. Amen. C'était Goshen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi, frère, lorsque nous venons à l'Église, quelle que soit l'apparence ou l'état de ce lieu, c'est le lieu où nous venons nous prosterner devant le Seigneur. C'est le lieu où nous venons pour adorer. Nous ne venons pas ici pour faire n'importe quoi. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on doit pas laisser les enfants pleurer, les enfants courir et s'agiter. Mais on doit garder, amen, ce lieu doit être un lieu respecté, respectueux. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. William Branham, voyez-vous, lorsque même il va prier même pour les gens et tout ça, il dit, je prends ce lieu, amen, je prends chaque esprit dans cette salle sous mon contrôle, pour la gloire de Jésus-Christ. Et après cela, il dit, restez silencieux, amen, restez respectueux, gloire à Jésus-Christ. Parce que Dieu doit montrer qu'il est là. Et comme Dieu doit montrer qu'il est là, il y a une attitude spéciale à avoir en ce lieu-là. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, nous ne devons pas entrer n'importe comment, mais y entrer avec respect, y entrer avec considération, croyant que là où deux ou trois sont rassemblés, Dieu est là. Amen. Si nous croyons qu'il est là, nous devons nous tenir avec respect en ce lieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi même, voyez-vous, amen, que ça soit même à la maison, que ça soit même partout où vous êtes, alléluia, parce que vous voulez que Dieu soit avec vous, vous devez marcher avec attention.
Vous ne devez pas faire n'importe quoi. Parce que votre corps même est le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous promenez pas avec n'importe qui. Gloire au Seigneur. Et c'est juste. Ouais, quelquefois pour beaucoup de chrétiens, amen, en dehors même de l'argent, voyez-vous les grandes causes de la chute du croyant et des serviteurs de Dieu, l'argent, les femmes, hein, les plaisirs sexuels, voyez-vous la popularité pour se faire un nom. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Les fréquentations, les gens avec lesquels nous marchons, c'est très important. Amen. Voyez-vous, les prophètes ont été des gens seuls. Les prophètes ont été des gens seuls. Amen. C'est pourquoi il faut marcher avec des gens bien. Si par exemple tu marches avec un frère, tu viens à l'église, ce que je suis en train de dire là, s'il fait ça, s'il fait ça chez toi, peut-être il va dire que c'est toi qui avais dit au pasteur. Mais au moins il aura compris quelque chose. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, ils étaient ensemble. Et voyez-vous, tu peux être avec ton frère, avec ta soeur. Et voyez-vous, regardez, nous prions plus même lorsque nous sommes ensemble. Nous sommes encouragés même à prier plus que lorsque nous prions individuellement. Individuellement, peut-être la prière, même tout de suite, ça c'est fini. Mais quand nous sommes ensemble, là, nous prions, ça ne finit pas. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que Israël était à Goshen, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble, là où deux ou trois s'assemblent, s'unissent, amen, crient. Gloire au Seigneur, Dieu est là. Et parce que s'ils étaient dispersés, c'était difficile. Mais parce qu'ils étaient réunis, Goshen était comme un temple, une église. Et ils criaient, et Dieu, cela résonnait au ciel. Et Dieu a envoyé un prophète. Dieu a répondu par l'envoi d'un prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, voyez-vous, c'est pourquoi nous sommes heureux lorsque nous venons et nous sommes ensemble. Nous venons et, amen, nous sommes heureux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque, voyez-vous, ces trompettes sonnaient en Israël, leur vie était rythmée par la loi de Dieu. Leur vie était rythmée par la parole de Dieu. C'était un peuple spécial. Balaam même regarda au-delà et dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Un peuple qui a sa demeure à part. C'est-à-dire que ce n'est pas un peuple qui vit comme tout le monde. Même s'ils pouvaient vivre comme tout le monde, mais ils sont régis par une loi. Amen. Une loi, une force spirituelle les contraignait à vivre de façon spéciale. Je peux vivre comme toi, mais il y a une loi qui me contraint à ne pas vivre comme cela. Je peux vivre comme vous, boire comme vous, je suis un homme. Mais il y a une loi, il y a un esprit qui me contraint à vivre comme ceci. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsque William Branham était petit, depuis même son enfance, regardez, lorsqu'il est né, je crois 3 jours même après et tout ça, la colonne de nuit est descendue par la fenêtre et est venue tournoyer sur l'enfant. Amen. Et après repartit. Et voyez-vous, un oiseau rouge-gorge se mit par la fenêtre. Et chanta, 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 chanta. Il est né de façon spéciale. Et cette femme médium même qui pouvait lire le ciel, etc. et tout, comme ses mages, a dit, tu es né sous une étoile, tu es né de façon spéciale. Et si tu peux être, amen, tu peux regarder cette chose, tu peux t'attentionner, tu secoueras le monde par ta prédication. Il est né de façon spéciale. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous sommes aussi nés de façon spéciale. Celui qui parle est né de façon spéciale. Celui qui croit est aussi spécial. Amen. Parce que, voyez-vous, celui qui parle et celui qui dit amen sont un. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est les deux ensemble. C'est comme Moïse est la parole, et puis voyez-vous, Jésus typifie l'esprit. Il faut la parole et il faut l'esprit pour entrer à Canaan. Amen. Il faut la parole et il faut l'esprit pour entrer à Canaan. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Et voyez-vous, amen, il est né de façon spéciale. Et depuis l'enfance, Dieu veillait sur lui.
Depuis l'enfance, Dieu veillait sur lui. Amen. Dieu, il est né sous un ordre de mission clair. Tu ne dois pas boire, tu ne dois pas fumer. Mais tout le monde buvait. Oh frère. Hein? Gloire au Seigneur. Il dit, bon, mais c'est quelle église je suis rentré là? C'est quelle église je suis rentré? Mais William Branham pouvait dire, mais ça là, c'est qu'elle a fait ça. C'est qu'elle a fait ça. Comment je suis né là? Mais c'est qu'elle a. Pourquoi je ne peux pas m'amuser comme tous les autres enfants? Mais tu es né de façon spéciale. Tu es dans ce message, tu sais que tu es né de façon spéciale. Amen. À quoi sert la parole s'il n'y a personne pour vivre ça? À quoi sert la trompette s'il n'y a personne pour entendre? À quoi sert le sonner la trompette si l'action ne va pas suivre la trompette? Si on sait que les gens ne vont pas obéir. Amen. Si la trompette sonne, amen, c'est qu'il y aura aussi des gens pour. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si un prophète vient, c'est qu'il y a des gens dont l'intérieur soupire après la vraie parole dans cette génération. Amen. Si la trompette sonne, si un prophète vient, si Élie vient, c'est qu'il y a un peuple préparé d'avance. Amen. À recevoir cette trompette. C'est pourquoi la trompette sonne. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et pourquoi Dieu le prépare-t-il de façon spéciale? Parce qu'il aura un peuple spécial. Amen. À appeler. Gloire au Seigneur. Parce que nous avons été conçus de telle sorte que si il venait vivant n'importe comment, on n'allait pas le recevoir. Donc on a été préparé de telle manière. Hein? Comme quelqu'un disait, appareil de blanc, si tu te forces pour faire entrer, c'est que c'est pas pour lui. Amen. Ça doit bien rentrer. On sait le boulot, ça rentre bien. Vous comprenez cela? Cela veut dire que nous aussi, nous avons été conçus de façon spéciale dans ce tâche. Amen. Alléluia. Et il fallait un message spécial. Amen. Pour que nous puissions croire à ça. S'il venait autrement, on n'allait pas le reconnaître. Gloire au Seigneur. Mais il devrait venir tel que Dieu l'avait préparé d'avance et tel qu'il nous connaissait. Et le prophète devait venir de telle sorte que nous puissions le recevoir. Pour que nous soyons un. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, tu ne dois pas boire. Tu ne dois pas fumer. Tu ne dois pas souiller ton corps d'aucune manière. Car j'ai une œuvre grande à accomplir. J'ai le peuple à sauver. J'ai le peuple à racheter. Amen. Si tu vas de telle manière, amen, ils ne vont pas recevoir. Mais lorsque tu seras comme ça, ils vont recevoir. Et lorsque, voyez-vous, quelque chose arrive, on se moque de lui et tout ça. Et que, voyez-vous, pris hein, par la colère ou bien quoi, etc. Parce qu'il était très coloré. Et qu'il était, il dit, attends, je vais vous montrer que je suis un garçon. Amen. Il y avait un bruit. Il y avait un bruit, un tourbillon. Amen. Et il abandonnait. Si c'est la cigarette, il jetait ça là-bas. Il quittait le lieu où il était. Et il courait pour rentrer à la maison. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, Dieu veillait sur lui. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et je crois que Dieu aussi a veillé sur nous. Quelles que soient les erreurs, les péchés que nous avons commis, nous étions prédestinés à rencontrer la voix de Malachi 4. À reconnaître cette voix. À nous soumettre à cette voix. Et à nous laisser transformer par cette voix. Voyez-vous, cette trompette sonnait. La trompette sonnait. Et lorsque vous prenez même Exode 21, dans Exode 21, lorsque l'agneau pascal était tué, et Christ est l'agneau pascal, Exode 12, verset 16, il y avait une convocation le premier jour, il y avait une convocation le septième jour.
C'est ça? Et lorsque vous prenez Nombre chapitre 29, Nombre chapitre 29, verset 1er, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. C'est une sainte convocation. Gloire au Seigneur. Une sainte convocation. Et le septième jour, c'est-à-dire au jour de l'apôtre Paul, au jour d'Éphèse, qui est le premier jour, il aura une sainte convocation. Amen. Parce que durant les sept âges de l'Église, il y a eu deux prophètes messagers. Les autres sont des réformateurs. Mais deux sont des prophètes messagers. Gloire au Seigneur. Et la convocation, c'est le prophète messager. L'apôtre Paul, premier jour, Éphèse, et le septième jour, amen, au jour de la fin de Laodicée, au septième jour, il y a aussi un prophète messager. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le septième jour, vous aurez aussi une sainte convocation. Gloire au Seigneur. Et Nombre 29, verset 1er. Nombre 29, verset 1er. Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Gloire au Seigneur. Tout est sept, le septième mois. Vous comprenez? Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Par le son de trompette. Amen. Et nous avons lu là dans Nombre 10, la trompette n'appelait pas tout le monde, n'appelait pas n'importe qui et à n'importe quel moment. Chacun doit se reconnaître. Chacun doit se reconnaître. L'appel est personnel, individuel. Le père ou la fille, ou la mère et sa fille ne sont pas appelés peut-être pas au même moment. Un est appelé, ensuite l'autre. Gloire au Seigneur. Amen. L'un doit partir lorsque l'appel retentit. Béni soit le nom du Seigneur. Et l'autre peut-être aussi. Ainsi, tout le monde était là. Et le sacrificateur, fils d'Aaron, parcourait le pays et sonnait de la trompette. Ils étaient tous rassemblés. Et la trompette sonnait pour appeler chacun pour sa part. Vous comprenez cela? Amen. Et la trompette n'appelait pas tout le monde. Ainsi, voyez-vous, lorsque nous avons lu dans Nombre 10, lorsque c'était une guerre, la trompette sonnait en vue d'une guerre, en un moment de guerre ou de joie. Et le prophète en parle. Gloire au Seigneur. La trompette sonnait. Et la trompette annonçait soit une guerre, soit un jour de fête. Ce que cela signifie, c'est un rassemblement de gens. Gloire au Seigneur. C'est pour un rassemblement de gens. Amen. Et chacun est appelé, amen, pour sa part. C'est un appel individuel. C'est un appel ciblé. Gloire au Seigneur. Et amen, cette trompette est comparée à la trompette de l'évangile. À la trompette de l'évangile. À la prédication de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et notre attitude, notre comportement, notre position, amen, notre vie, notre action, amen, détermine si nous sommes concernés par la trompette ou pas. Nous, et aujourd'hui, nous sommes à la septième. Amen, la trompette du septième jour. Amen. Et la trompette sonne en vue de rassemblement. Et nous sommes ici rassemblés ce soir parce que nous avons été convoqués. Nous avons été convoqués par la trompette du septième jour. Et notre attitude vis-à-vis du son de la trompette,
montre si nous sommes concernés ou si nous ne sommes pas concernés. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne viens pas parce que l'autre vient. Tu viens parce que la trompette t'appelle. Le son de cette trompette me concerne. Vous comprenez cela? Vous pouvez être plusieurs dans un quartier, dans un travail et tout ça. Mais lorsque vous tous, vous êtes là, vous entendez la trompette du septième jour. Vous entendez Malachi 4. Vous entendez la prédication de William Branham. Vous entendez la prédication de ce message. Tout le monde n'est pas concerné par cet appel. Gloire au Seigneur. Tout le monde n'est pas, amen, concerné par ce que vous entendez. Vous pouvez même faire écouter ça à quelqu'un. Vous pouvez même faire écouter quelqu'un. Vous pouvez inviter même la personne. La personne va venir ici s'asseoir. Il va écouter comme vous. Pendant que vous, vous êtes concerné, vous êtes heureux, vous vous réjouissez, vous dites amen. Lui, il est là, il vous regarde comme s'il s'est trompé d'endroit. Hein? Comme s'il s'est trompé d'endroit. Mais vous, vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Amen. Alléluia. Ne soyez pas préoccupés. Ne soyez pas découragés. Amen. Parce que pourquoi moi j'avance et que l'autre n'avance pas? Lorsque tu sonneras avec éclat, ceux de l'Orient, etc., et tous se rassembleront autour de toi. Amen. Tu sonneras pour convoquer le peuple, mais pas avec éclat. Amen. Lorsque tu sonneras pour la deuxième fois avec éclat, voyez-vous, peut-être il sonnait à d'autres fois, à d'autres moments, mais ce n'était pas avec éclat. Amen. Mais ils étaient tous rassemblés, chacun savait quand c'était avec éclat et quand ce n'était pas avec éclat. Ils savaient, amen, à quel moment ils étaient concernés par le son éclat. Il faut être prédestiné. Il faut être connu d'avance. Il faut avoir été enseigné d'avance pour reconnaître en cet instant-là que tu es concerné. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, étant de Dieu, amen, étant, amen, ici sur la terre, si nous étions en Dieu, gloire à Jésus-Christ, où étais-tu? Alléluia. Tu vois, c'est Job, comme Job 38. Hein? Allons, Job 38, voir. Alors que les étoiles du matin chantaient. Il a fallu être là à ce moment-là. Gloire au Seigneur. Dans la grande pensée de Dieu, ce grand rassemblement, avant que nous ne soyons manifestés ici sur la terre. Amen. Alléluia. William Branham dit, c'est le péché qui a fait que nous ne nous souvenons plus de ces choses-là. C'est le péché qui a obstrué tous les tuyaux. Et tous les canaux ont été obstrués. Sinon, nous aussi, on pouvait se souvenir d'avant notre naissance. De notre naissance, à quelle heure je suis né? Où est-ce que je suis né? On ne dira plus, bon, au moment où tu es né, l'entrée que c'est quand on faisait plantation qui allait ça. Et tout ça, c'est là-bas que tu es né. Et tout ça. Bon. Attends, on va monter tes dents. Hein, il faut mettre la main comme ça, on va voir. Oui, tu as 15 ans. Non. Mais moi-même, je saurai quel jour je suis né. L'Éternel répondit à Job du milieu de la trompette et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'intéresse comme un vaillant homme, un vaillant héros. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. C'est-à-dire, si tu as de l'intelligence, ça veut dire que, en principe, tu dois savoir. Mais comme le péché a obstrué notre intelligence, on ne peut pas se rappeler de cela. Parce que nous ne sommes pas des créatures du temps. N'est-ce pas? Nous sommes des créatures d'éternité. Si nous sommes des fils de Dieu, ce n'est pas le jour que je suis venu à l'église que je suis un fils de Dieu. Je le suis avant la fondation du monde. Amen. Donc de la même manière que Moïse a écrit avant sa naissance, la Genèse. Moïse n'était pas là, mais il a écrit ça.
Quand sa maman le mettait dans la petite pirogue et tout ça, mettait sa petite soeur Myriam et tout ça, on mettait là sur l'eau. Et puis l'eau prenait pour aller. Et puis la fille de Pharaon et tout ça le prenait. Moïse voyait tout ça. Et il écrivait. Dieu lui a donné d'aller en Égypte, là où est née l'écriture, afin qu'il puisse venir et écrire tout ça. Gloire à Jésus-Christ. Et nous aussi, ce serait pareil. Moïse n'est-il pas né de femme? N'est-il pas né d'un désir sexuel et tout ça? Mais regardez. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais si on naissait de la parole, si on était né par la parole et non pas par le péché, etc., on saurait toutes ces choses-là. Gloire à Jésus-Christ. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin chantaient. Hein? Gloire au Seigneur. Alors que les étoiles du matin chantaient, éclataient en chant d'allégresse. Et que quoi? Quelques fils? Non. Tous. Tous les fils de Dieu. Amen. Est-ce que tu étais là? Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La Bible n'a pas dit quelques fils de Dieu. Non. Mais tous les fils de Dieu. Amen. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. J'étais là et vous étiez là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, avant que mon papa ne puisse me donner nos kakou ici, gloire au Seigneur, Dieu me connaissait déjà. Gloire à Jésus-Christ. Dieu me connaissait déjà. Amen. Tous les fils de Dieu. Et William Branham dit, chaque prédication sur la terre, après le péché, voyez-vous la prédication de la parole. C'est pourquoi il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la parole. Chaque prédication de la parole est un cri de trompette. Qu'est-ce que la trompette fait? Elle appelle les fils de Dieu à rentrer à la maison. À rentrer à la maison. Dieu les connaît tous. Il savait que c'est tous. Et Job devrait se souvenir qu'il était là-bas. Alors que tous les fils de Dieu... Amen. Hommes, femmes, tout le monde était là. Gloire au Seigneur. Ainsi, Dieu les connaît. Dieu sait combien ils sont à Ben Gourou ici, à cet instant, ce soir. Amen. Alors qu'il est 19h40, Dieu sait aujourd'hui, à cet instant, il y a combien de fils de Dieu dans la vie. Amen. Gloire au Seigneur. Combien ont dit oui à la trompette et qui sont venus. Et combien attendent encore le deuxième son avec éclat. Un son avec éclat, un son clair. On dit une loi éclatante, et claire. Amen. Si la trompette donne un son confus, qui se préparera pour la guerre? Et chaque prédication de la parole qui est lancée comme un filet. Amen. C'est pour ramener le dernier poisson. Et William Branham dit, lorsque le dernier élu, le dernier poisson sera pris, la pêche sera terminée. L'appel sera terminé. La trompette sonnera pour la dernière fois. Gloire au Seigneur. Nous nous préoccupons bien sûr, amen, de notre petit salaire. Mais ça, c'est pour se maintenir en vie. Hein? On s'en va travailler là un peu pour César. Sans travailler un peu pour César, César dit, bon, écoutez, je vais te donner 10 000 francs, mais pour cela, il faut venir travailler pour moi. Et puis on s'en travaille un peu, etc. et tout ça. Mais la trompette ne regarde pas tout ça. Amen. Tu ne justifieras pas ça. Le refus de la trompette par ces choses-là. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia.
Amen. Rien ne doit, amen, nous excuser. Amen. Chaque trompette, chaque prédication, William Branham dit, nous sommes en train d'appeler le dernier. Alléluia. Et voyez-vous, amen, lorsque dans Apocalypse 5, il va venir prendre le livre, amen, qui contient tous ceux, amen, tous ceux, amen, tous les fils de Dieu, ils sont, tous les fils de Dieu sont dans ce livre. Et amen, il est sur le trône du Père intercédant jusqu'à ce que le dernier élu soit manifesté sur la terre. Entend le son de la trompette par notre évangélisation, par notre invitation. Amen. Lorsque ce dernier élu, ou bien cette dernière fille, cette dernière femme entrera, je vous assure, frère, amen, peut-être dans cette région, Dieu connaît le nombre. Et Dieu sait à quel moment le dernier élu de cette région entrera dans ce message. Entendra la septième, amen, la trompette du septième jour. Et entrera dans une assemblée du message. Le ciel va remuer. Gloire au Seigneur. Amen. Le ciel va remuer. Amen. C'est comme, je ne sais pas quoi, quelque chose que vous êtes en train de construire, etc. Et tout. Et puis on dit, oh, ici c'est fini. C'est ici, il reste un peu. Là aussi c'est fini. Ici aussi, il reste un peu. Là aussi c'est fini. Gloire au Seigneur. Et de ce côté-ci, tous ceux qui sont prédestinés, connus de Dieu, inclus dans les tous, sont entrés. Et en attendant que le dernier élu, peut-être qui se trouve dans une partie peut-être de la terre, ici, peut-être nous sommes complets. Alors restez au soleil jusqu'à ce que vous puissiez mûrir. Soyez entretenus par la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. On dira, oh, dans telle région du monde, le dernier élu est rentré. Amen. N'est-ce pas comme ça quand les gens votent? Quelquefois, pendant qu'on a formé les bureaux de vote, quelque part ici, quelque part là-bas, les bureaux de vote sont encore ouverts. Les bureaux de vote sont encore ouverts ici. On dit, oh, à 20h. On dit, non, à 20h, on vote aussi, encore ici. Parce qu'on a ouvert ça, on n'a pas ouvert vite. Amen, on a ouvert les bureaux à 10h. On dit, non, chez nous ici, on a commencé à prêcher depuis 6h. Il dit, non, là-bas, la prédication a commencé à 10h. On dit, très bien. Donc, pendant que ici, la prédication a commencé à 6h, le dernier élu est rentré. L'ensemble est au complet. Pendant ce temps, les autres prêchent quelque part. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut que tout se soit rassemblé. Amen. Et que l'enlèvement ait lieu. Gloire au Seigneur. Ainsi, quand le dernier élu entre, il quitte le trône du Père. Il vient prendre le livre et il revendique ce qu'il a racheté. Ce pour qui il a intercédé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Si la trompette rend un son confus, c'est ça. Qui se préparera au combat? Gloire à Jésus-Christ. N'es-tu pas merveilleux, frère? Alléluia. La trompette n'appelle pas tout le monde. La trompette appelle un peuple spécial. Amen. De deux qui seront pris, il sera laissé. Tout ça, cela aussi a lieu dans la vie de chaque jour, dans les appels de chaque jour, dans l'évangélisation de chaque jour. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous prenez même pour tous les âges, regardez même la plupart des cantiques même qu'on chante aujourd'hui, les ailes de la foi, tout ça, ça a été préparé au jour de Wesley, dans l'âge de Wesley. C'était l'âge de la grande évangélisation. L'âge des grands missionnaires. Amen. Mais voyez-vous, comme William Branham le dit aujourd'hui, le monde a été évangélisé. Et vous repassez là où les gens sont déjà passés. Vous repassez là où les gens sont déjà passés. Ne fixez pas votre foi sur quelqu'un ou qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est rare de trouver un territoire où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Amen. Mais on trouvera là où les gens peut-être n'ont pas encore entendu parler de William Branham.
Amen. Mais d'ici quelques années, 2030, là-bas, etc. et tout, amen, lorsque vous allez entre Winam Ranam, on a un âge, j'ai bien entendu, notre pasteur nous a parlé de ça. Gloire au Seigneur. Amen. C'est la dernière trompette, le dernier ratissage. Donc lorsque vous êtes entré et que vous savez que vous êtes concerné, accrochez-vous. Et pendant que vous êtes accroché, amen, avec l'autre main, vous cherchez à voir comment vous pouvez attraper l'autre aussi pour le faire entrer. Vous comprenez cela? Amen. Vous êtes dedans, vos deux pieds sont dedans. Vous vous accrochez bien. Vous êtes bien agrippé comme dans un bus, bien. Et puis maintenant, l'autre, tu peux maintenant l'aider. Il faut marcher avec attention pour pouvoir traverser ce monde de péché, de débauche dans lequel nous sommes. Et ça, pour aider quelqu'un, pour l'aider, si vous voulez aider quelqu'un, il faut t'arrêter au bout ici bien. Tu t'accroches bien. Et puis maintenant, tu le fais comme ça. Oui, viens, viens, viens. C'est quelque chose de solitaire. Seul. Ne vous découragez pas parce que quelqu'un a arrêté de venir. Ne vous découragez pas parce que quelqu'un fait cela. Amen. Aujourd'hui, la facilité gagne les gens. Au point qu'on est poussé à diluer l'évangile. À diluer l'évangile. Les gens ne lisent même pas la Bible. C'est des discuteurs. Ils veulent amener Dieu à accepter leur volonté, leur point de vue, leur manière de voir les choses. Ils discutent pour rester à la maison. Ils veulent que Dieu les sauve restant à la maison. Souvenez-vous que vos yeux, hein, votre stature, tout ce que vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Ayez ça à l'esprit. Tous les fils de Dieu, dans sa pensée dès le commencement, et tout ce que vous êtes, c'est l'expression parole. Je pense venir à l'église et me voici marchant pour venir à l'église. La pensée devient la parole. Et la parole fait l'action. Après l'avoir pensé, il a prononcé et vous voilà. Vous comprenez? Amen. Vous voilà. Alléluia. Après l'avoir, vous voilà. Si ce n'est pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, vous écoutez? Amen. William Branham dit, si nous n'étions pas dans la pensée de Dieu, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas. Amen. Amen. Parce que la trompette nous appelle à retourner dans notre territoire d'origine. Donc l'évangile qu'on prêche, c'est la trompette de Dieu, la trompette du jubilé, qui nous appelle à retourner là où on était au commencement. Est-ce que nous comprenons cela? Gloire au Seigneur. Amen. Si vos enfants sortent, ils sont quelque part, ils sont en train de jouer, etc. Maman même peut-être n'a pas besoin de dire votre nom. Vous êtes où là? Tout le monde ne le voit pas. C'est ceux qui connaissent la voix qui répond. Nous sommes ici. Nous sommes ici avec Quadio. Mais pourquoi Quadio lui dit pas? Nous sommes ici. Quadio lui c'était. Et puis c'est les autres qui répondent. Nous sommes ici. Amen. Bon, venez. Bon, d'accord. Okay. Bon, c'est bon après. Hein? D'accord. Et puis lui, ça va. Et puis vous venez là où la voix a fait. Parce que lui, quoi, Dieu n'était pas là-bas au commencement. Mais eux, ils étaient là-bas au commencement. Donc la voix les appelle à retourner là où ils étaient au commencement. Tous les fils de Dieu, amen, nous avons été manifestés sur la terre ici. Et le but de la prédication, puisque nous sommes tous descendus ici, il y a des Caïn, il y a des Abel, il y a des Seth. On se ressemble tous, mais spirituellement, chacun a son origine. Donc la prédication de la parole vient parce qu'on ne sait pas qui est qui. On prêche parce qu'on ne sait pas qui était là-bas
qui n'était pas là-bas? Hein? Qui était dans tous les fils de Dieu là? Qui était là-bas? Qui n'était pas là-bas? Donc pendant que nous sommes rassemblés ici, on fait le tri du tri. Amen. Les gens dans le monde ont entendu, vous êtes venus, beaucoup d'appelés, seulement peu de lui. Gloire au Seigneur. C'est seulement ceux qui étaient dans tous les fils de Dieu qui reviendront. Donc si vous n'êtes pas ainsi, si ce n'est pas ainsi, si vous n'étiez pas dans sa pensée, il n'y a aucun moyen du tout pour vous un jour d'être là-bas. Car il est celui qui donne la vie éternelle. 54. Et puis ensuite on viendra 116 millions. 54. Vous étiez là dans ses attributs. Vous ne vous souvenez pas. Voilà, c'est ce que je disais. Vous étiez en lui, tous les fils de Dieu là. Vous étiez là, mais vous ne vous souvenez pas. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Hein, n'est-ce pas? Tu cherches ce que tu as déjà vu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous, amen. Vous ne vous souvenez pas, non, non, parce que vous êtes simplement, hein, vous ne vous en souvenez pas, non, parce que vous êtes simplement une partie de sa vie, vous êtes une partie de Dieu. Lorsque vous devenez un fils ou une fille de Dieu, de la même manière que vous êtes une partie de votre Père terrestre, Dieu confirme cela. Cela a toujours été juste. Dieu confirme que c'est vrai. Cela montre clairement, celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Amen. C'est fort, hein? Amen. C'est-à-dire qu'on dit, Jésus est venu mort, Jésus est venu mourir pour nous sauver, etc. Tout le monde dit ça, mais tout le monde n'est pas concerné. Ça ne concerne pas tout le monde. Il n'est pas venu sauver tout le monde. Il est venu sauver ceux qu'il est venu chercher, qu'il avait connu d'avance et qui sont perdus. Le péché nous a dispersés partout. Donc il est venu, la prédication de la parole prêche, on prêche pour les appeler à venir. Cela montre clairement que celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. Rédemption, c'est de ramener. Racheter, ramener à sa position originale. Avez-vous saisi? Laissez-moi répéter. Celui qui est prédestiné est le seul, c'est-à-dire celui qui était dans tous les fils de Dieu, là, dans Job 38. Là. C'est celui-là qui est prédestiné. Tous ceux qu'il a connus d'avance, amen, il les a aussi prédestinés, il les a aussi appelés, etc. Celui qui est prédestiné est le seul à être considéré dans la rédemption. William Branham repère ça. Les gens peuvent agir comme s'ils étaient ou penser qu'ils le sont, mais la véritable rédemption est pour ceux qui sont prédestinés. Parce que le mot même racheter signifie ramener. Est-ce vrai? Racheter, c'est quelque chose. Racheter, quoi que ce soit, c'est le ramener à sa place originelle. Alléluia. Amen. Donc, seuls les prédestinés sont ramenés parce que les autres ne venaient pas de là. Amen. Donc, les gens que vous voyez promener au dehors, tout le monde ne sera pas ramené. La prédication de la parole ne concerne pas tout le monde. Ça concerne un peuple spécial. Tous ceux que Dieu connaît. Et c'est pour eux que Jésus est mort. Et Jésus est venu les chercher et les appeler. Nous avons compris cela. Amen. Donc ta position par rapport à la voix de Dieu, par rapport au message, par rapport à la trompette du septième jour, lorsque tu entends, tu crois et tu es concerné, tu te réjouis. Et tu as soif d'obéir, de demeurer dedans. Amen. Tu ne sais pas
Amen. Où tu dis ta force et tout cela, mais ma force vient de l'Éternel. Et je me réjouis toujours d'être dans ce message. Cela montre quelque part que tu es concerné. Et que tu étais là-bas. Amen. Ainsi, ne te laisse influencer par quoi que ce soit. Mais avance ton chemin. Crois le message et vis le message. Que Dieu vous bénisse. Veille toujours en tout lieu, à tout heure. Semaine.